Nous allons donc voir une version un peu plus ouverte sur la musique espagnole, hein, concernant ce qu'on avait vu déjà au préalable. En fait, au lieu de faire le Mi majeur avec un glissé comme on avait vu la dernière fois, on va tout simplement faire un Mi majeur, un Fa majeur septième, puis un Fa majeur septième décalé à la case 4, hein, donc basé sur un Sol, hein, ni plus ni moins. Et puis, on va se remettre sur le Fa majeur septième, ce qui va nous donner... Ok, si on reprend le plan qu'on avait travaillé sur la musique espagnole basique, le petit plan du olé, donc on va faire... Ok. Et on va ouvrir avec cet accord. Qui est un peu plus espagnol que... D'accord ? Donc c'est assez sympa. Donc après, si on veut faire une rythmique plus compliquée, on va faire... Alors on peut la faire comme ça. Ok, donc voilà à quoi ça va servir. À travailler lentement.